Plus de 800 personnes, dont plusieurs personnalités publiques, ont assisté à la deuxième édition du Bal des Lumières, ici même au Centre Bell. Cette superbe soirée a permis d'amasser des fonds et de s'unir pour la santé mentale. Pour les gens qui ne connaissent pas la soirée, décris-nous c'est quoi qui va se passer ce soir. Bien, d'abord, il faut savoir que le Bal des Lumières est la plus grande initiative au Québec pour venir en aide pour la santé mentale. Donc, c'est une très, très grosse soirée. Vraiment, on vient soutenir trois différentes fondations montréalaises et il va y avoir un volet spectacle, mais il y a aussi un volet, il y a l'encan, évidemment, donc on va aller chercher des dons. En temps normal, on a la chance de venir au Centre Bell pour regarder les matchs d'hockey. Ce soir, c'est un peu plus glamour, on fête autre chose, on ramasse des fonds, en fait, pour la santé mentale. Oui, on ramasse des fonds pour la santé mentale, c'est le deuxième événement. Moi, j'étais ici il y a 2 ans pour le cocktail seulement. Cette année, bien, je suis ici pour le cocktail et le souper. Donc, je suis bien content. Selon vous, combien on pourrait me ramasser cette année? Moi, j'ai l'impression que ça va frôler le million. J'espère bien. Tu sais, ce qui est difficile de la santé mentale, c'est que ça ne paraît pas toujours tout le temps. Et malheureusement, souvent, parce que j'ai plusieurs amis qui ont des enfants avec différents problèmes, et non seulement parfois c'est pas apparent, mais souvent ça dérange les gens autour et c'est en parlant justement que ça va devenir moins tabou. Est-ce que tu trouves que c'est encore un sujet qui est tabou, la santé mentale? Et pas tabou, mais la manière qu'on en parle, et c'est très important. Et c'est encore tabou, il faut en parler parce que dans les petits coins d'où je viens encore, en Afrique, c'est encore comme si j'avais été pris par un sorcier. Donc c'est encore, on ne peut pas laisser les gens à l'hôpital. Donc il faut qu'on en parle. Les gens gardent ça pour eux-mêmes. Dans notre communauté, quand quelqu'un est pris avec la maladie, on l'isole en disant qu'il est pris par des vaudous, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui a été difficile. Le début vingtaine, j'ai eu de la difficulté avec ça. Puis je m'en suis sortie en lisant beaucoup, puis en m'acceptant, puis surtout en écrivant beaucoup. Alors, c'est une cause que je voulais soutenir à long terme. L'émission que je fais qui s'appelle Au secours de Béatrice est étroitement liée à cette cause et je pense que ça reflète nos valeurs puis ce qu'on dit dans le show chaque semaine. Alors, je pense que c'est important d'être ici ce soir. C'est important parce que nous, on n'en a pas de problème. Alors, nos enfants sont... On a eu la chance d'avoir des enfants en santé mentale jusqu'à la dernière nouvelle. Maxime, des fois, on ne sait pas, là. Mais notre petit est parfait, mais on a des amis qui ont des enfants qui ont des problèmes. On le sait, il y a plein d'enfants sur le Ritalin. Et puis, on est libre ce soir, parce que c'est rare qu'on est libre ensemble pour des bonnes œuvres comme ça. Alors, on en profite pour venir supporter la cause. C'est normal. On commence vraiment, là, ça a pris du temps, à parler au niveau des problèmes mentaux. Il y a des gens qui pleurent et crient pour de l'aide, puis ne savaient pas où aller. Ça va pas comment s'y prendre. Maintenant, on leur ouvre la porte. Ça prend comme toujours, ça prend de l'argent. Ça prend des gens qui s'impliquent. Alors, quand on me demande d'être là pour une cause comme ça, si on est disponible, on ne peut pas dire non.